frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes contents de pouvoir être accueillis chez vous en cet instant, afin de pouvoir unir nos cœurs avec votre cœur, avec vos cœurs, et de pouvoir adorer notre Dieu. Soyez bénis. Sous la pression, sous la tension, tu fais lever nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en Dieu, ni crainte à craindre. Fais-moi un vase, fais-moi une offrande, fais-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à t'offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Dis, je renonce. Je renonce à mes propres voies. Mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais-moi un vase. Fais-moi une offrande. Fais-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. 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 La puissance est nouvelle, il y a la liberté, et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le feu est nouveau, pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Je laisse mes anciennes, je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Je laisse mes anciennes flammes. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Je laisse
assiette-là pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour que le Saint-Esprit brûle en moi. Dans toute sa plénitude, délaisse tes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en toi. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Répète après moi, je suis béni. Répète après moi, je suis béni. Je suis béni. Oh, élève tes mains et dis, je suis béni. Je suis béni. Élève ta main et dis, je suis béni. Je suis béni. Lève mes mains côté au chita là et dis, m'son monde béni. M'son monde béni. M'son monde béni. M'son monde béni. Pas parce que quelqu'un a fait quelque chose pour moi. Hey, la grâce de Dieu. M'son monde béni. M'son monde pas parce que ta femme a fait quelque chose pour toi. Parce que Dieu, hey, dis, m'son monde béni. Le sang de Dieu t'a lavé. Tu es béni. Nous sommes monde béni. Pas parce que c'est pas quelque chose que j'ai. Alléluia. C'est pas quelque chose que j'ai. C'est quelque chose que dès avant la fondation du monde, Dieu avait fait. Alléluia. Et il fait en sorte que présentement là où est-ce que tu es, tu es béni. Tu n'as pas une bénédiction, tu es béni. Avant d'avoir ta bénédiction, assure-toi d'être béni. Parce que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé et il est celui qui t'a béni. En te faisant être une bénédiction. Amen. Nous sommes bénis, Jésus caché moi. En bas l'ombrage, mon Dieu tout puissant. Nous sommes bénis, Jésus caché moi. En bas l'ombrage, mon Dieu tout puissant. Nous sommes bénis, Jésus caché moi. En bas l'ombrage, mon Dieu tout puissant. Nous sommes bénis, Jésus caché moi. En bas l'ombrage, mon Dieu tout puissant. Moi reposé, dans bon pâturage, dans bon pâturage. Moi reposé, dans bon pâturage, dans bon pâturage. Diable a sorti pour l'attaquer, moi. L'éternel en personne campé pour le défendre, moi. Diable a sorti pour l'ennuyer, moi. L'éternel en personne campé pour le défendre, son monde béni, son monde béni. Jésus caché, moi. En bas l'ombrage, mon Dieu tout puissant. Son monde béni, Jésus caché, moi. En bas l'ombrage, mon Dieu tout puissant. Nous sommes un béni, Jésus caché moi. En bas l'ombrage, mon Dieu tout puissant. Nous sommes un béni, Jésus caché moi. En bas l'ombrage, mon Dieu tout puissant. Moi reposé, non bon pâturage, bon pâturage. Moi reposé, dans bon pâturage, dans bon pâturage. Moi reposé, dans bon pâturage, dans bon pâturage. Diable a sauté pour l'attaquer, moi. Personne campé pour le défendre, moi. Diable a sauté pour le finir avec. Diable a sorti pour l'attaquer, moi. L'éternel en
Diable a sorti pour le finir avec. Tout puissant, nous sommes un béni. Jésus caché, moi. En bas l'ombrage, mon Dieu tout puissant. Nous sommes un béni. Jésus caché, moi. En bas l'ombrage, mon Dieu tout puissant. Nous sommes un béni. Jésus caché, moi. En bas l'ombrage, mon Dieu. Si ça couille là. Nous sommes un béni, Jésus caché moi. En bas l'ombrage, mon Dieu tout puissant. Nous sommes un béni, Jésus caché moi. En bas l'ombrage, mon Dieu tout puissant. Moi reposé, moi reposé. Dans bon pâturage, dans bon pâturage. Diable a sorti pour l'attaquer, moi. L'éternel en personne campé pour le défendre, moi. Diable a sorti pour le finir avec. L'éternel en personne campé pour le défendre, moi. Diable a sorti pour l'attaquer, moi. L'éternel en personne campé pour le défendre, moi. Diable a sorti pour le finir avec. Mon cap veille, non, c'est bon Dieu.
ka veye nan, se bon Dieu le relé. Moun ka veye nan, se bon Dieu le relé. Moun ka veye nan, se bon Dieu le relé. Moun ka veye nan, se bon Dieu le relé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. C'est avec un cœur reconnaissant que nous nous approchons de ton trône béni ce matin, cher Seigneur, pour t'exprimer notre gratitude pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans notre vie. Du haut de ta majesté béni, tu déverses sur nous tes grâces excellentes et tu alimentes toute la terre de tes bontés infinies. Ton amour est incommensurable et il ne cesse de se manifester en faveur de toute la race humaine. C'est pourquoi, Seigneur, tu ne cesses d'abaisser ton trône pour secourir tous ceux qui t'implorent avec sincérité. C'est ce que ton serviteur, le psalmiste David, avait compris quand il écrivit au psaume 148, verset 18. Il a dit en effet, « L'Éternel est près de tout ce qui t'invoque, de tout ce qui l'invoque, de tout ce qui l'invoque avec sincérité. » Et au psaume 34, verset 18, le même David dit, quand tes justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. C'est fort de tout cela, Seigneur, que nous ne nous lasserons jamais de t'invoquer ton nom dans toutes les circonstances. Seigneur, nous reconnaissons que tu es notre Dieu et notre seul refuge dans la détresse. En ce jour où ton peuple t'adore, nous prions que tu nous pardonnes, nos offenses, que tu nous pardonnes les fautes commises contre toi et que tu nous purifies. Au nom du sang versé de ton Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions être vus, non pas en tant que nous-mêmes, mais en tant que purifiés par ce sang. N'entre pas donc, Seigneur, en jugement avec nous pour nos imperfections, pour nos mauvaises tendances, pour nos mauvaises actions. Ne nous regarde pas à travers nos péchés, nos vices cachés, mais vois-nous, cher Seigneur, au travers du sang versé de ton Fils Jésus-Christ. En cette semaine baptisée, en contact avec le trône, nous te demandons de nous faire la grâce, Seigneur, de nous envoyer une parole prophétique, une parole spéciale qui consolera nos cœurs endoloris, attristés, en proie à l'inquiétude, surtout, Seigneur, par ces temps dominés par la pandémie du coronavirus.
nous avons besoin que tu nous parles. Que tu nous parles puissamment, Seigneur, en tant qu'Église d'abord et en tant qu'individu. En tant qu'Église, pour que nous puissions nous orienter dans la direction que tu nous indiques. Et en tant qu'individu, pour que nous apprenions à soumettre notre volonté à ta sainte volonté. Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ainsi, Seigneur, que ta parole nous guide. Nous te prions en ce moment, Seigneur, pour les familles de l'Église évangélique Philadelphie. Ces familles, Seigneur, qui sont en difficulté, d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous prions qu'elles demeurent unies en toi. Nous prions que ces familles, ô Dieu Tout-Puissant, s'orientent en fonction de ce que toi-même tu leur demandes de faire. Nous savons, ô Dieu Tout-Puissant, qu'elles sont confrontées aujourd'hui à toutes sortes de difficultés, à toutes sortes de problèmes. Elles se posent toutes sortes de questions, Seigneur. Mais toutes les réponses doivent venir uniquement de toi. Et c'est la raison pour laquelle nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant, de les soutenir, de les aider, de leur donner, ô Dieu Tout-Puissant, de tourner toujours leurs yeux vers toi et vers toi seul. Car c'est de toi que doit nécessairement venir leur délivrance. Nous prions au Dieu Tout-Puissant pour ses enfants et aussi pour, ces jeunes qui sont confrontés au Dieu Tout-Puissant à des problèmes aussi, surtout en ce temps particulier où tout le monde est confiné, Seigneur. Nous prions que tu les aides, que tu les soutiennes, que tu les orientes, que tu leur donnes de garder les yeux fixés sur toi, que les multiples interrogations, Dieu Tout-Puissant, qu'ils se posent, Seigneur, puissent trouver réponse à travers ta parole. Nous savons déjà que ta parole a les réponses, Seigneur, à ces différentes questions que se pose la jeunesse. Nous prions, Dieu Tout-Puissant, que tu orientes cette jeunesse dans la direction que toi-même tu veux. Seigneur, ce temps de confinement est un temps de réflexion, est un temps, ô Dieu, pour se questionner, Seigneur, sur ce que toi-même tu veux que chacun fasse. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu ouvres l'esprit, Seigneur, l'intelligence des jeunes pour qu'ils puissent apprendre, Dieu Tout-Puissant, à se tourner vers toi quand ils sont ballottés, ô Dieu Tout-Puissant, par toutes sortes de vents, toutes sortes d'interrogations. Et quand les vents contraires viennent aussi, Seigneur, les dévier de leur chemin, nous prions, Dieu Tout-Puissant, que tu les replaces, Seigneur, sur le chemin du salut, le chemin de la vérité. Seigneur, bénis les enfants, bénis les jeunes de ton Église. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les différents départements de cette assemblée. Nous prions, Seigneur, que tu continues d'agir dans le cœur des frères et sœurs, Seigneur, qui composent ces différents départements. Nous savons, Seigneur, même en situation difficile, ils sont actifs, ces frères et sœurs. Nous te disons merci pour cela. Et nous prions au Dieu bon et redoutable que tu les accompagnes, que tu les bénisses et que tu leur donnes de réaliser que le travail, Seigneur, qu'ils sont en train d'accomplir, trouve ton approbation. Nous prions de manière spéciale, Seigneur, pour le service, le département
de multimédia, dont les techniciens au Dieu Tout-Puissant font montre depuis le début de la crise d'un sens aigu du service accompli. Nous te remercions pour eux. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu les as soutenus. Tu as fait qu'à travers la technologie, ô Dieu Tout-Puissant, ils ont pu se montrer très, très utiles, Seigneur, non seulement à la propagation dans l'Évangile, mais aussi au maintien de ton peuple en adoration. Nous bénissons ton nom pour cela. Et nous ne cesserons jamais de le faire. Nous prions que tu bénisses leur famille. Nous prions que tu bénisses le foyer. Nous prions que tu leur donnes de savoir que toi-même, tu es celui qui récompense au-delà même de leur espérance tes enfants. Seigneur, bénis-les. Bénis, Seigneur, ce service. Bénis tous les départements de ton Église. Nous prions que tu leur donnes de continuer à s'activer, Seigneur, pour ta gloire et pour ton honneur. Merci pour ta présence qui est certaine dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Même s'ils doivent, ô Dieu Tout-Puissant, continuer de t'exalter, de t'adorer, Seigneur, en ligne, nous sentons, ô Dieu Tout-Puissant, l'action et l'onction de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour cette disposition que tu donnes à tes enfants. Permets donc, ô Dieu Tout-Puissant, que ta parole puisse continuer à être le principal guide de chacun de nous. Nous voulons en ce moment, Seigneur, te prier pour les personnes qui sont malades de cette assemblée, malades à plusieurs niveaux. Tu les connais mieux que nous autres. Étant donné que nous savons que tu es le médecin par excellence, nous prions que tu interviennes, Seigneur, de manière à les toucher, afin, ô Dieu Tout-Puissant, que leur guérison constitue de nouveaux sujets de témoignage et d'action de grâce à ta gloire et à ton honneur. Éternel, nous t'appelons et nous te prions spécialement, Seigneur, pour les personnes frappées par le coronavirus. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous écrier et comme le serviteur Ébénézer, car jusqu'ici tu nous as secourus. Tu as fait que les personnes atteintes, Seigneur, par cette pandémie soient guéries. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu as évité le pire à tes enfants de cette congrégation. Nous prions que tu continues, ô Dieu Tout-Puissant, de le faire. Il y en a d'autres, Seigneur, qui peuvent être des porteurs saints et d'autres qui n'ont pas été contaminés. Seigneur, nous prions qu'ils ne soient pas contaminés. Nous prions que tu les maintiennes loin et très loin, Seigneur, de la virulence de cette maladie. Seigneur, continue donc d'agir dans la vie de tes enfants. Nous voulons, Seigneur, aussi en profiter pour te remettre toutes les personnes de l'Assemblée qui travaillent dans le domaine de la santé, Seigneur, à un niveau ou à un autre, comme préposé, comme infirmière, comme médecins et tous les autres, même s'ils n'ont pas appris un métier dans le domaine de la santé, et bien qui travaillent quand même, Seigneur, pour sauver des vies. Nous prions que tu les accompagnes. Tu sais combien ils sont exposés, mais ils comptent sur toi, Seigneur, ces gens-là. Ils comptent sur toi pour les protéger. Nous savons qu'il y a des consignes, il y a des principes, il y a
oui, qui ont été édictées par les gouvernants. Mais nous savons, Seigneur, que ce n'est pas ça, Seigneur, qui peut vraiment empêcher quelqu'un d'être atteint du coronavirus. C'est la raison pour laquelle nous allons faire tout ce que les gouvernants nous demandent de faire. Et nous prions que tu permettes à tous tes enfants d'agir ainsi. Car tu as dit, Seigneur, que toute autorité vient de toi. Et parce que toute autorité vient de Dieu, eh bien, nous sommes tenus de leur obéir. Et c'est ce que tu nous demandes de faire. Mais nous savons qu'à côté de notre obéissance aux règles, c'est toi, Seigneur, qui va protéger tes enfants. Nous comptons sur toi pour le faire. S'il te plaît, protège tes enfants de l'Assemblée. Protège aussi, Seigneur, tous les enfants, tous ceux-là qui sont à travers le pays, mais qui sont aussi exposés. Nous prions, Seigneur, que tu les protèges. Seigneur, nous prions que tu agisses de même pour le monde entier, Seigneur, car le taux, Seigneur, de mortalité est déjà trop élevé. Nous te supplions, Seigneur, d'éviter, Seigneur, au monde le pire. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Père Saint, nous te prions aussi pour les dirigeants de ce pays, les premiers ministres, les gouvernements. Nous prions que tu continues de les accompagner, que tu leur dictes, ô Dieu Tout-Puissant, les décisions, les meilleures à prendre, Seigneur, pour le salut de tout le pays et particulièrement pour le salut de ton peuple qui évolue, que ce soit au niveau provincial, au Québec ou au niveau fédéral, Seigneur, dans tout le Canada. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour agir en faveur de tes enfants. Seigneur, nous ne saurions mettre un terme à cette prière sans penser à notre cher Haïti, Seigneur. Ce pays où tes enfants évoluent aussi, mais un pays dont les structures sont vraiment faibles. Mais nous savons une chose, c'est que tu es le Dieu qui dirige et qui protège le Canada, tout comme tu es le Dieu qui dirige et protège Haïti. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour permettre à ce pays, Seigneur, d'être épargné. C'est vrai, nous sommes en plein en Haïti, en plein, Seigneur, dans cette situation difficile. Le pays fait face, Seigneur, au coronavirus aussi. Oui, nous savons que les dirigeants sont même dépassés parce que les structures sont limitées. Les moyens aussi, Seigneur. Nous savons aussi que nous sommes en proie même à l'ignorance parce qu'il y a tellement de personnes qui ne comprennent pas la dangerosité, Seigneur, de cette maladie et qui va à toutes leurs occupations comme si de rien n'était. Seigneur, nous prions que tu interviennes puissamment dans la vie de ce peuple et que toi-même tu parles à leur cœur et que tu ouvres, Seigneur, leur intelligence et que ce peuple puisse parvenir à se rendre à l'évidence, Seigneur, qu'ils sont en train de se tuer en ne respectant pas les principes des consignes. Seigneur, nous prions que les leaders évangéliques de notre pays, du pays d'Haïti, Seigneur, puissent prendre la résolution, Seigneur, d'agir et d'agir autrement pour pouvoir accompagner ton peuple. Seigneur, nous comptons sur toi et nous savons que tu vas répondre à nos cris. Parce que c'est toi-même qui nous as fait comprendre que si nous demeurons dans ta parole et que ta parole demeure en nous, nous pouvons te demander ce que nous voulons et tu nous le donneras. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous reviendrons ici pour te rendre gloire, pour
t'exalter, pour t'élever pour ce que tu vas continuer à faire, Seigneur, de la vie de tes enfants. Nous nous remettons entre tes mains. Écoute nos prières, car nous te les adressons au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire des avant tous les siècles, maintenant et éternellement. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous bénissons le Seigneur du privilège de pouvoir continuer à nouveau notre démarche sur un contact avec le trône. Nous anticipons de grandes bénédictions jusqu'à la fin de cette semaine, soit le dimanche 24, où nous aurons le privilège de vous présenter un concert virtuel le dimanche soir qui amènerait la conclusion de cette semaine baptisée en contact avec le trône. Nous prions que le Seigneur non seulement vous parle, mais aussi que vous preniez le temps d'écouter sa parole, de vous éduquer et de vous ressourcer pour que, même dans ce confinement, nous pouvons être l'objet de son attention, de la proclamation de sa parole, et notre éducation spirituelle continuera. Nous bénissons le Seigneur de savoir que vous êtes à l'écoute chaque soir et prions que les bénédictions qui en découlent de cette démarche sauront vous conduire jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons faire la démarche, une deuxième, avec le texte de Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons explorer une autre facette de ce texte, nous permettant de saisir une autre dimension dans ce « en contact avec le trône ». Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 1er au verset 12. Nous lisons dans la parole du Seigneur. Voilà ce que nous trouvons. « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Verset 12, « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » En contact avec le trône, prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre grand Dieu, nous voulons te bénir et te remercier pour ta fidélité, la grâce qui nous est accordée d'être encore exposés à la plénitude de ta révélation,
à la promptitude de ta présence et à l'exactitude de notre Dieu de tes prodiges et de tes merveilles dans la vie de chacun de tes enfants. Merci de ce que tu nous invites à prendre cette altitude dans ce confinement, de ne pas nous laisser ébranler, ô notre Dieu, par les circonstances du temps, mais plutôt, ô notre Dieu, de développer proximité avec toi dans une intimité spirituelle, parce que tu l'as ainsi voulu. Nous prions que ta parole se fasse sourire à notre cœur et nous donne aussi l'opportunité de saisir les réalités et les bénédictions, les vérités qui y sont attachées et les appliquer, ô notre Dieu, à notre vie quotidienne. Nous te demandons, ô Père, de nous bénir puissamment pour que cela soit ainsi. Nous prions que le vaisseau qui est en usage entre tes mains puisse être l'objet de la présence, de la plénitude et de l'œuvre du Saint-Esprit et ceci avec, ô notre Dieu, toute la latitude que le ciel veut déployer. Entends notre prière, une fois de plus, restaure nos frères et sœurs en difficulté, amène, ô notre Dieu, certainement une ère nouvelle pour qu'un renouveau puisse prendre place, ô notre Dieu, à la fin de ce confinement. Et nous entrons dans ta maison avec de meilleurs sentiments pour continuer à te servir et mieux te servir, mieux te connaître et mieux aussi présider, ô notre Dieu, à ton service. Et ceci jusqu'à ton retour. Entends notre prière, pardonne nos péchés, exauce-nous du haut des cieux et sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous allons continuer notre démarche en contact avec le trône. La question légitime, spirituelle, qui est à la fois intrigante que tout lecteur de la Bible ou tout étudiant des Saintes Écritures pouvait se poser. Et pourquoi toute cette violence? Pourquoi tout ce macabre tentative d'éliminer une institution qui vient de prendre naissance et qui est l'objet d'attention gouvernementale, qui est l'objet d'attention militaire, qui est l'objet d'attention populaire et qui apparemment, sous des coups de toutes sortes, est victime. Oui, cette Église, je reprends, à l'aurore de son existence, est victime de tout ce qu'on appelle violence institutionnalisée. Nous avions vu au début qu'il y a un Hérode à chaque génération pour servir d'appareil d'oppression à cette Église. Donc ainsi, ce n'est pas pour la première fois que nous voyons cette Église en difficulté dans le cheminement de son ministère sur terre. Et sous différents aspects, nous voyons qu'elle se battait pour sortir, mais pas de ses propres forces, mais parce que son fondateur avait garanti sa victoire quand il déclarait que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je reprends une de mes déclarations à travers cet énoncé de Jésus-Christ. « Je bâtirai, il assume la fondation, mon Église, il assume la possession, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, il assume la protection. » Ainsi, cette protection devrait certainement être au rendez-vous parce que, à l'aurore même de la vie de cette Église, la persécution était déjà au rendez-vous. Donc, on comprend que l'appareil d'État était contre la mouvance de l'Église, mais ne pouvait s'opposer à la mouvance du Saint-Esprit dans l'Église. Je reprends. Si l'appareil d'État se liguait contre la mouvance de l'expansion ou la croissance de l'Église, mais une chose que cet appareil ne pouvait pas empêcher, c'est la mouvance de la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de cette Église. Et ainsi, dans cette réflexion ce soir, j'aimerais vous inviter à réfléchir. Est-ce que vous êtes un agent de ce royaume et que quand certainement ça tourne mal, pouvez-vous, par la puissance du Saint-Esprit, traverser les oppressions de toutes sortes? Et nous sommes en train de vivre une de ces oppressions. J'ai réalisé au verset premier que la cruauté était hors du commun
Donc, ce n'était pas simplement une personne qu'on attaquait, mais c'était le leadership de l'Église qu'on attaquait. J'aimerais que vous prêtiez attention. Regardez les textes. Il dit que Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Ça, c'est le corps ecclésial. Mais maintenant, et il fit mourir par l'épée Jacques. Ça, c'est le premier leader de l'Église, frère de Jean. Et voyant cela, maintenant, qui était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc, on comprend que c'était une déstabilisation complète qui est en train de se développer contre cette Église-là. Aujourd'hui, si vous pensez, je reprends, si vous pensez que cette pandémie, que cette situation qui nous impose à fermer les portes, c'est une question politique seulement, ou bien c'est une question scientifique, ou bien c'est d'ordre surnaturel, dans l'un ou l'autre cas, cette Église actuellement est victime dans sa visibilité à travers le monde. J'aimerais que vous saisissiez cet aspect-là. Cette Église est victime dans sa visibilité à travers le monde. Ça ne peut et ne saurait en aucun temps être simplement un simple hasard ou bien juste une pandémie du siècle. Ce n'est pas pour la première fois qu'on connaît des pandémies, mais c'est pour la première fois que l'institution chrétienne est obligée de fermer ses portes et nous obliger à rester dans un confinement comme institution ecclésiale. Et j'aimerais que vous compreniez ça. Maintenant, cette violence qui nous est faite là, cette violence, ce n'est pas simplement regarder le texte dans son historicité. Maintenant, apportons le texte dans notre actualité. Quand nous voyons cette oppression politique, cette violence hors du commun, et que Pierre est mis en prison, j'aimerais que vous me suivez ici. Après l'avoir saisi et jeté en prison, on parle de Pierre, je suis à Acte 12, verset 4, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Ça, aucun étudiant de la Bible ne pourrait se permettre de fermer les yeux sur simplement une question mathématique, mais c'est sécurité au maximum. Je reprends. Ça ne saurait être en aucun temps une question simplement de l'arrêter et ensuite de le jeter en prison et de le surveiller. Il doit y avoir une raison pour laquelle, pour un seul homme, qui est un homme d'église, qui est un homme de la parole, qui est un homme de la prière, qui est un appelé du Seigneur, pour un seul homme, on a mis 4 escouades de 4 personnes. Donc, ça veut dire qu'il a fallu 16 soldats pour un seul homme. Maintenant, ces 4 escouades de 4 soldats avaient des mandats clairs. OK. On veut garder Pierre dans la prison en vue de le faire comparaître. C'est ce que nous lisons au verset 3. Au verset 3 et 4, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Ça, c'est pour que on se rassure qu'il sera là pour la comparution devant ses supérieurs avant la Pâque. La deuxième raison, au verset 5, il était donc gardé dans la prison, et pendant qu'il était gardé dans la prison, le texte nous dit comment il était gardé. Je m'en vais au verset 6, tandis que l'ange entrait, on nous dit qu'il y avait deux chaînes, il était lié de deux chaînes, donc ça veut dire que les 16 soldats n'étaient pas suffisants pour maîtriser un seul homme. Deuxièmement, ils ont mis des chaînes aux mains. Il était lié de deux chaînes. Ce que j'arrive difficilement à saisir, envers et contre la présence de ces hommes, envers et contre les deux chaînes qui liaient Pierre, le texte dit que Pierre dormait. Frères et sœurs, le texte dit que Pierre, comment quelqu'un pouvait-il dormir, un, sous la pression militaire de ces hommes qui étaient présents. Comment, c'est dommage que je n'ai pas la latitude de vous donner la vision ou bien de la visibilité de ça. Quand l'armée romaine vous met en prison et quand vous dites vous êtes enchaîné avec d'autres prisonniers. Ça veut dire qu'on vous attache, on met une chaîne
à droite et une chaîne à gauche. Donc vous avez toujours un prisonnier à droite et un prisonnier à gauche. Vous êtes attachés, mains et pieds attachés à quelqu'un d'autre. Et ça devient lourd. Donc quand vous, il n'y a pas moyen de répéter mouvement personnel. Donc si vous devez vous lever, tout cela avec qui vous êtes attaché doit aussi se lever. Si vous devez vous coucher, tout cela avec qui vous êtes attaché doivent aussi se coucher. Je ne comprends pas, frères et sœurs, le fait que le texte dit que dans les chaînes et sous la surveillance, donc je peux saisir premièrement, il y a une pression de présence de ces hommes qui surveillent. Ensuite, il y a la difficulté de la mouvance physique avec les chaînes. Le texte dit Pierre dormait. Comment peut-il dormir? Aïe, aïe, aïe. La présence du danger n'enlève pas la sérénité du serviteur de Dieu. Je reprends. La présence du danger n'enlève pas la sérénité du serviteur de Dieu. Il dormait. Mais il y a une autre chose pour laquelle j'ai réalisé qu'on est entouré, Pierre, de cette escouade de 4 hommes, de 16 hommes et de toute cette pression à la fois politique, militaire, mais aussi physique. Pourquoi cet homme est sous cette surveillance, si coincé? Le pourquoi? C'est pas pour la première fois qu'on l'a mis en prison et qu'il a été relâché par des puissances spirituelles. Oh! Je reprends. Ils ont décidé de maximiser sa sécurité parce que ça fait pour la 3e fois qu'il est emprisonné, déjà. On comprend qu'ils essayaient de martyriser cette église-là. Ils ont déjà tué Étienne, le premier diacre de l'église. Maintenant, Jean est mis en prison. Et puis, Pierre vient de connaître aussi. Non, je m'excuse. On a vu plutôt pas en prison. Le texte nous dit, il fut Jacques a été tué. Étienne est lapidé. Et maintenant, Pierre est en prison. Vous comprenez toute la pression qui vient avec ça. Maintenant, le pourquoi ils sont en train de maximiser cette sécurité, c'est parce que c'est pour la 3e fois que Pierre a été arrêté. Et les 2 premières fois, il a été relâché par des personnages supérieurs. Voyageons avec moi un instant. Allons à Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons voir quelque chose. Je lis pour vous du verset 1er au verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 4. Tandis que... Actes des Apôtres, chapitre 4. Je vais certainement vous aider à comprendre quelque chose qui s'est passé. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, souvent les sacrificateurs... Le commandant du temple et les Sadducéens, je reprends, c'est pas pression ordinaire. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, présence religieuse, en opposition au christianisme, le commandant du temple, une fois de plus, et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple, et annoncèrent la personne de Jésus, la résurrection des morts. Le verset 3 dit, ils mirent les mains sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Donc, ce n'est pas pour la première fois que Pierre fait l'expérience de la prison. Maintenant, je descends avec vous. Alors, Pierre rempli du Saint-Esprit. Je suis au verset 8 du même chapitre 4. N'oubliez pas qu'il vient d'être jeté en prison. Je vais au verset 4 juste pour vous mettre en contexte. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva d'environ 5000 hommes. Donc, la pression commençait parce qu'ils ne pouvaient pas croire que des gens abandonnaient le judaïsme et cette église est en train de prendre l'attitude. Je vous avais dit, c'est le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de l'onction, c'est le livre de l'expansion
l'évolution de l'Église. Cette croissance-là commence à déranger, commence à nuire. Maintenant, regardons, frères et sœurs, le lendemain, je suis au verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur Caïphe, Jean et Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait, c'est après un miracle hein, accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. » Devant cette interrogation militaire, religieuse, populaire, j'aimerais que vous regardiez que Pierre, loin de se laisser intimider, prend le temps pour leur accuser de leur crime et garde sa position et sa conviction. Ce n'est pas pour la première fois qu'il, non seulement a été mis en prison, menacé, intimidé, on va voir. Il confirme aussi le message du salut en Christ. Il confirme ça. Je descends vers le verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Votre peine capitale n'arrive pas à intimider la conviction de ceux qui ont vu le Seigneur Jésus, premièrement crucifié, deuxièmement ressuscité, et troisièmement glorifié. Donc, il n'y a aucune forme d'intimidation. Donc, je vous avais dit que la prière n'était pas une question simplement d'avoir réponse dans une de mes méditations antérieures. C'est une question de dire à l'adversaire que nous n'allons pas nous laisser intimider. Notre foi n'est pas conditionnelle à nos conjonctures. Nous allons continuer notre marche avec le Seigneur et aiguiser notre conviction, en contact avec le trône. Je descends au verset 13 de acte 4 pour vous dire, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à leur. Ils n'avaient rien, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux en disant, que ferons-nous à ces hommes? Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem que miracle signalé a été accompli par eux, nous ne pouvons pas le nier. Donc, une fois de plus, la prison n'a pas pu les intimider, la violence n'a pas pu les intimider, encore moins la force politique, religieuse et populaire n'ont pas pu les désarmer de leurs convictions. Ça, c'est la première fois que Pierre est en prison et qu'il est sorti avec toute cette conviction qu'il ne va pas se laisser prendre ni intimider, encore moins s'abandonner sa foi ni son ministère. Il y a une deuxième. Acte 5. Acte 5, je vais lire pour vous verset 18 et 19, et ensuite on descend vers le verset 40. Acte 5, verset 18. Je commence au verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie et mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Donc, ça devient une habitude, à moindre réaction que cette église continue sa démarche de faire des miracles, de changer la vie des gens, donc l'organisation religieuse, l'institution politique, la pression populaire étaient encore au rendez-vous pour les questionner et ensuite les violer, leur nature, leur physique. Le texte dit, allez, je suis au verset 19. Ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, j'aimerais que vous voyez ça, mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison et les fit et leur dit de sortir. J'aimerais que vous saisissiez maintenant raison. C'est parce que ça fait deuxième fois que cet homme a été mis en prison
et relâcher avec la même autorité, relâcher avec la même arrogance, relâcher avec la même conviction. Et cette fois-ci, la deuxième fois, on a vu, c'est un ange qui est venu le sortir. Donc, on comprend maintenant à acte 12 pourquoi toute cette sécurité-là. Donc, il pensait que les soldats militaires, il pensait que les gardes qui veillaient ces hommes pouvaient empêcher la puissance de l'ange. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs, qu'on a vu déjà cela, si vous connaissez bien votre Bible, après qu'ils aient mutilé l'auteur du christianisme, après qu'ils l'aient crucifié, après qu'ils l'aient fait descendu dans une tombe, qu'on a empointé d'ailleurs, on a mis son tombeau en surveillance. Il y a quelque chose que cela doit nous dire. Donc, arrivé à Actes des Apôtres, chapitre 12, cet homme qui est mis en surveillance sous une quatre escouades de soldats, c'est en vue de faire croire arrêt à toute intervention qui tenterait de le faire sortir de la prison, parce que l'expérience a prouvé, à chaque fois qu'il est mis en prison, il est sorti. Vous savez pourquoi les forces opposantes, vous savez pourquoi des fois les attaques de l'ennemi sont aussi sévères? Parce qu'à chaque fois qu'il vous tend un piège, à chaque fois que vous tombez entre ses mains et qu'il pense vous avoir, le Seigneur vous a délivré. À chaque fois. À chaque maladie, il guérit. À chaque attaque, il reprend. C'est avec raison que nous chantons. C'est lui qui tient l'épée et qui décide les combats. À chaque fois que l'adversaire pense donc qu'il a main mise sur vous, et puis le ciel est descendu et vous délivrez. En contact avec le trône. Donc il n'y a pas simplement la promptitude, il n'y a pas simplement la certitude de la délivrance, mais suivez-moi, il y a la latitude de cette délivrance. Ça se répète. Donc, malade, délivrance. Dépression, délivrance. Emprisonné, la délivrance vient. En sorte que le Seigneur garde son Église envers et contre. Et je vais confirmer pour vous cet après-midi, et ce soir, je m'excuse, on va vers le verset 40 de Actes 5. On va vers le verset 40 de Actes 5. Je lis pour vous verset 40. Ils se rangèrent à son avis, ça c'est l'intervention de Gamaliel, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, jusqu'au verset 41, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Qui me relève, qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus. Jésus a parlé. Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Loin de les désarmer, loin de les intimider, bien que Étienne vienne de tomber, bien que Jacques vienne de mourir, bien que l'intimidation continue au niveau des membres de l'Église, bien qu'on a emprisonné son pasteur. Mais je n'arrive pas à croire que cette Église qui a triomphé, que cette Église qui a triomphé des martyrs, que cette Église qui a triomphé des turbulences, que cette Église qui a triomphé de la violence institutionnelle du temps, que l'Église, cette Église d'aujourd'hui que nous voyons, peut fléchir devant juste une pandémie. On pense pouvoir nous fermer la bouche. On pense pouvoir nous juste nous enlever la liberté de proclamer notre foi. Oh, Satan passe à côté. Croyez-moi, frères et sœurs, il passe à côté. Sanctuaire vide ou sanctuaire rempli, nous allons continuer à proclamer qu'il n'y a de salut en aucun autre, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Avec ou sans assemblée, à la maison ou derrière la chair, nous continuons à proclamer au monde que la solution n'est pas un gouvernement mondial, la solution n'est pas une économie plus forte, la solution n'est pas une armée plus grande, la solution c'est Jésus et Jésus seul, en contact avec le trône. Et le verset
et je m'en vais avec cette sécurité doublée que Pierre a connue. La délivrance aussi s'est doublée. Retournons maintenant à Actes des Apôtres, chapitre 12, et nous allons voir pourquoi j'ai dit que la délivrance est plus que doublée, c'est même triplée. La nuit, je suis à Actes 12, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, un dormait sérénité entre les soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc, Pierre était plus en sécurité pour recevoir sa délivrance spirituelle qu'il était intimidé ou même désemparé. Et voici la force incontournable. Deuxième, il pouvait dormir. Deuxièmement, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que Pierre n'a pas vu la lumière. Donc, ce n'est pas même la lumière qui a réveillé Pierre. Pierre dormait si profondément avec les chaînes que la lumière était venue pour briller dans des lieux ténébreux ou quoi? Où on est en train de voir l'atrocité des institutions militaires, des institutions religieuses, et des institutions religieuses et des institutions politiques. Je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière ce confinement. Je ne sais pas quelle est la force qui est derrière ce virus. Je ne sais pas quel est le complot global qui est en train d'être fait contre les enfants du Seigneur. Mais je suis convaincu. Je suis convaincu qu'au moment opportun, quand on pense pouvoir nous imposer des choses juste pour fermer notre bouche, alors ce ne sera pas un ange qui descendra. Le Seigneur Jésus lui-même, le chef de son église, viendra et sortira son église de la pagaille. Et voici un ange du Seigneur, la lumière brillera dans les ténèbres. Et survint et brilla dans la prison. Ça c'est deuxième. Troisième. L'ange réveilla Pierre et le frappant de côté en disant, « Lève-toi promptement. » L'ange maintenant fait son ministère angélique pour réveiller Pierre. C'est alors que Pierre réalisait qu'il y avait de la lumière dans la prison et qu'il réalisait que ses chaînes venaient de tomber et qu'il réalisait aussi qu'il est en train de vivre quelque chose de surnaturel. Le texte de Actes 12 dit que l'ange continue, troisième, double, triple sécurité, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Regardez les détails dans lesquels le miracle de la liberté, donc Dieu va le sortir, mais on ne va pas l'exposer. Donc, on prend le temps de l'habiller. Donc, il va sortir pas en état de prisonnier parce qu'on l'a dévêtu. Donc, il était dans la prison, non seulement déshumanisé, non seulement battu, mais non seulement opprimé, mais déshumanisé. Il était nu. L'ange lui a pris le temps de l'habiller, de lui dire de s'habiller, de mettre son manteau. Donc, il va sortir dans la dignité de sa personne. Il va sortir sans être exposé. Il va sortir avec la qualité de la délivrance que Dieu donne. Donc, frères et sœurs, écoutez ça. Mais qu'est-ce qui a produit ça? Le texte nous dit, si je remonte à Actes 12, le verset 4, l'Église ne cessait pas d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je l'avais dit dans ma méditation antérieure. Donc, le résultat de la prière n'est pas venu au lieu de la prière. Les gens priaient à un lieu que la Bible ne nous donne ni l'adresse, ni c'était quoi les affinités du milieu. On nous dit que l'Église ne cesse de prier. Pour qui? Pour Pierre. Donc, écoutez ça, la prière que faisait l'Église pour Pierre a voyagé premièrement vers le ciel et le ciel est descendu dans la prison. Donc, suivez-moi. Quand on est en contact avec le trône pour quelqu'un, quand le trône descend, le trône ne descend pas vers celui qui a intercédé, le trône descend pour celui qu'on a intercédé. Le trône, donc, pourquoi je tiens à répéter le trône? Parce que ça prend pouvoir. Ça prend pouvoir hors du commun.
pour dompter pouvoir militaire, pour dompter pouvoir politique, pour dompter pouvoir religieux et venir relâcher son serviteur. Ah, un seul cantique m'est venu. Est-ce que vous voulez vivre pour Jésus net et puis toujours? Vous comprenez ça? Parce que puissance les qu'à faire, ça vous doit. N'est-ce pas vrai que le texte vient de nous dire qu'ils savent que ces hommes, c'était des hommes ordinaires? C'était des gens du peuple. Je vais faire cette ouverture en créole. Je découvris qui grosse valeur gagne dans Dieu, bon Dieu. Ou à suspendre marcher tête en bas devant le monde, tête en bas devant Satan, tête en bas devant tes problèmes, tes difficultés, tête en bas devant tes accusations. Vous arrêtez de vous plaindre à chaque petit tracas, à chaque petite accusation, à chaque petit problème. Vous perdez le nord des événements. C'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes, que le ciel vous a reconnu comme étant un ambassadeur de son royaume et que le trône est en branle quand vous êtes en difficulté. Puissance, lui. Qu'a fait où? Ça, vous devez. Sans qu'à me nettoyer. Cœur aux gens liés. À mon lit, à plein homme, si vous croyez, plutôt quitter, conduire, conduire. En contact avec le trône. Hein? Pour nous sortir des habitudes de violence, pour nous délivrer des prisons de toutes sortes, des chaînes au cerveau. Des chaînes dans notre message, des chaînes dans notre persévérance, des chaînes dans notre visibilité comme assemblée chrétienne, des chaînes dans les situations économiques, des chaînes et des prisons dans la maladie, des chaînes et des prisons dans les accusations. Ah, la lumière brillera et nous sortira avec toute notre dignité, couverte. Avec nos ceintures de la vérité, couvertes avec le casque du salut, armées avec l'épée de l'esprit, et pour dire certaine est notre victoire. Luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus, le Rédempteur. Vous savez pourquoi? Parce que la justice est notre armure. La foi, notre bouclier. La vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Quand on est en contact avec le trône, prison, accusation, chaîne, ténèbres, nous attendons notre délivrance de celui qui nous l'a promis avec certitude. Que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse et nous donne de maintenir le contact avec le trône pour nous rassurés que même quand ils auront multiplié leur sécurité, le ciel ne connaît d'adversité qu'il ne peut pas dompter, ni de barrière qu'il ne peut pas surmonter, ni d'institution ou même de stratégie que le ciel ne peut pas dompter. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous voulons te bénir et te remercier une fois de plus de ce que tu nous amènes à cette conviction que les chaînes de ce monde, les pressions de ce monde, les indignations de ce monde, les accusations de ce monde ne sauraient enlever la dignité de ceux-là qui sont des agents de ton royaume. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Ainsi, nous attendons, ô notre Dieu, envers et contre les martyrs du temps, envers et contre les confinements du moment, envers et contre les isolations, envers et contre les privations. Nous savons que notre Dieu règne encore. Donne à ton Église d'être plus triomphante que jamais, plus brave que jamais,
Et permettre au notre Dieu que s'ils ont mis les cèpes aux mains et aux pieds, mais ils ne pourraient jamais, au notre Dieu, enchaîner ta parole, encore moins la puissance de ton Saint-Esprit. Donne-nous, ô Père, de prendre non seulement courage, mais déguiser notre conviction que s'il nous donne de réouvrir les adresses, tant mieux. Mais s'il ne le donne pas, tant pis, parce que la puissance n'est pas dans la bâtisse. Dans notre prière, visite les familles, restaure les chutés, redresse les découragés, visite les malades. Fais ton œuvre, ô notre Dieu, de bienfaisance auprès de ton peuple. Et marche au milieu de ton chandelier. Et donne-nous de marcher de victoire en victoire. Et nous avons la certitude que tu vas nous sortir avec la dignité que nous sommes des enfants du royaume. Et garde-nous près du trône par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps puissent être irrépréhensiblement gardés à Jésus-Christ pour le jour de son avènement. À qui reviendront l'honneur, la magnificence et la gloire dès avant tous les temps, à présent et éternellement. Amen. Soyez bénis.